What? Bonsoir, c'est Irrésistible. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sky Factory 2. Et on se retrouve sur notre map qui n'a pas beaucoup changé, hein, puisque comme vous le voyez, j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois. Mis à part cette petite plateforme, petite même grande plateforme, hein, puisqu'elle fait 50 sur 25. Avec des barrières, pourquoi? Parce que c'est très dangereux, il n'y a pas de luminosité et la nuit les mobs spawnent tout simplement. Comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Puisque je ne l'ai pas fait en cheatant, évidemment. J'ai pris de la dirt que j'ai fait avec mes Earth Essence. Hein, maintenant, c'est relativement facile. Du coal que j'ai pris avec les coal essence, qui est relativement facile à avoir aussi. D'ailleurs, je me suis fait une action ou pour aller plus vite. Hein, vous savez comment la faire, je vous avais montré. Bon, vite fait, mais je vous avais montré. Ensuite... alors, je vais vous montrer. Tout simplement, avec une turtle. Voilà, on va casser ça, parce que ça, je vais devoir le casser de toute façon. Comment on fait une turtle? Eh bien, c'est simple. C'est un computer, donc qui se fait avec deux stone, une redstone et une glass plane. C'est pas compliqué, hein. Vous appuyez sur pause si vous voulez le craft, mais ou tapez le nom aussi. Hein. De l'iron, un go avec le computer au milieu et un chest en bas. Et vous avez votre turtle. Mais qu'est-ce que c'est une turtle? Et bien, c'est tout simplement un programme informatique qui permet d'avancer, hein, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Hop. Il y a plusieurs programmes, mais je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'ils sont nombreux et que pour l'instant, il n'y en a qu'un qui nous sert. Si jamais il y en a d'autres qui nous serviront, je les montrerai, évidemment. Alors, on met le col parce que notre turtle a besoin de manger aussi, hein, elle a besoin d'énergie. Et on marque Refuel All pour le recharger. Et vous voyez, Fuel Level is 5120, c'est relativement suffisant normalement. Hein. Ensuite, pour créer la plateforme, vous voyez que la turtle en fait n'a aucun programme. C'est juste l'OS disponible, ça fonctionne comme un ordinateur. Il faut lui créer un programme. Et pour ça, je ne vais pas me casser le cul. Il y a des gens qui le font pour moi. Donc, vous cherchez sur Internet. Je vais vous l'écrire en description, évidemment. Vous écrivez donc Pastbine Get FBX Platform 1. Vous appuyez sur Entrée. Il se connecte sur Internet. Hop là, pastbine.com. Et Success. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, vous écrivez le nom du programme. Pour pouvoir l'activer, vous appuyez sur entrée et voilà, il s'est activé. Donc plateforme 1 créée par Kaikaku. Put in matériel. Donc on pose le matériel. D'ailleurs, ça, hop, on va mettre que des 64. Faut savoir que c'est ce que j'ai, c'est pas suffisant. J'espère que avec ça en plus, ça sera suffisant. On verra. Au pire, je crafterai des dirt, il n'y a pas de souci. Donc, vous appuyez sur Entrée et là, vous devez noter le X. Alors, le X, c'est le nombre de cases qu'il va faire en ligne droite. Donc, ici, on va mettre 50. Et le Y, le nombre de cases qu'il va faire sur la droite. On va mettre 25 parce que 50, c'est trop. On appuie sur Entrée. Et il commence. Alors, il commence oui et non. Parce que il va jusqu'au bout. Je vais vous montrer. What? Non. Mais fuck! Voilà. Je vais vous montrer pourquoi il va jusqu'au bout. Tout simplement parce que 25, c'est un nombre impair. Et qu'il a besoin d'arriver ici. Pour pouvoir ensuite faire demi-tour et retourner à sa position initiale. Et donc, comme vous pouvez le voir, hop là, il commence à faire sa plateforme tranquillement, au calme, hein, tout doucement. Et il n'est pas très rapide, mais c'est une tortue, faut pas exagérer non plus. Alors, pourquoi on fait une plateforme? Et ben, je vais vous expliquer ça aussi et je vais vous raconter comment j'ai fait pour dire tout ce que je dis là depuis tout à l'heure parce que j'arrête pas de dire je vais vous raconter. On s'en fout, mon Dieu. Ta gueule! Donc, vous voyez, hein, comme il s'arrête une case avant pour arriver au fond, revenir ici tranquillement.
Alors j'ai fait deux couches, tout simplement parce que bah, j'ai envie de faire un truc assez sympa. Petite plateforme avec un de profondeur et un petit marais. Bon, voilà, c'est pas obligatoire, mais j'avais envie de le faire. Donc j'ai un peu farmé à côté la terre. Et en attendant, parce que c'est assez long et que j'ai pas envie de vous faire patienter trop longtemps non plus, je positionnais tout ça dans mon bordel. Les torches, je les garde avec moi. Je vais commencer Botania. Botania. Alors, Botania. On va commencer Botania. Mais pour ça, hop, 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 il me faut donc le Lexica Botania. Hein. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Lexica Botania. Donc c'est n'importe quelle plante avec un livre. Ok, bon bah relativement facile. Un livre, on en a là. On va prendre ici, voilà. Oaxapline, je pense que ça marche. Hop, hop, ça marche! Lexica Botania. Alors, ouh là là, c'est compliqué tout ça. Lexicon Index. A tutorial of the Basic. Voilà, le tutoriel du Basic. Start tutorial. You have start your tutorial. Follow the red arrow and read the content to be guide. Ok, donc il faut suivre la petite flèche rouge qu'il y a là. Basic and Mechanics. Ok, bon, par contre, c'est tout en anglais. Je vais essayer de vous traduire, mais. Faudra pas abuser non plus. Alors. Ok, Lexica Botania. Et relate tout ce qu'il y a de Botania. Mais tu dois déjà le savoir puisque tu as déjà fait le livre. Voilà, ok. toutes les informations sont stockées ici. Ok. Bon, on s'en fout de ça en fait. Il nous explique juste. Ok, il nous explique dans le livre comment faire le livre. C'est super. D'accord. On peut renommer et changer la couverture à partir d'une enclume. Bon, c'est bon à savoir, mais c'est strictement inutile. Back, Mystical Flower. Ah, enfin. Alors, partout dans le monde, il existe une grosse variété de fleurs mystiques. Elle apparaît. Ok. D'accord. Oh, je sais pas, c'est pas grave. Et c'est pas, enfin, elle apparaît quelque part là. Ils décrivent c'est quoi les fleurs, ok. Il y en a 16, enfin, il y a 16 différentes couleurs. C'est possible de les créer à partir des floral fertilizers. Ouais, on s'en fout. Ces fleurs peuvent créer des mystical pétales. Et être utilisé pour des instruments magiques et des plantes. Clic droit sur les pétales pour les poser et faire des parties. Oh, enfin, il y a des particules qui apparaissent sur elles. Ces pétales peuvent être aplatis pour faire des floral powder. Voilà, donc à partir de ça, on peut, à partir des fleurs, on peut créer des pétales. Et à partir de ces pétales, à l'aide de ça, voilà, de mortar, ok, on peut créer des floral magenta, non, des floral powder. Right-clicking the floral powder in any wool. D'accord, donc en faisant un clic droit sur n'importe quelle laine ou tapis, on peut changer la couleur de cette laine. En mélangeant la floral powder avec de la bonne mille, il est possible de créer différents types de fertiliseurs. D'accord. Donc là, ils expliquent comment faire la floral fertiliseur. Ok. D'accord.
D'accord, mais comment on fait Floral Fertilizer à part ça? On verra. Ah, avec juste du colorant. Du colorant. D'accord, nickel. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a aussi quelques variantes de fleurs mystiques réparties autour de la place, ok, qui peuvent être cassées qu'avec des shears, mais elles peuvent être utilisées pour obtenir plus de pétales, d'accord. Ouais, ok, ça on s'en fout. D'accord, ouais, c'est cela. Et avec, à partir de cela, on obtient 4 pétales d'un coup. Ok! Donc on va faire ça, on va s'occuper de ça. Oula, il fait nuit. Oh! La connerie que j'ai fait. Bon! J'ai bien fermé au moins. Bah, comme vous pouvez voir, la zone dangereuse, et je crois qu'il va y avoir un problème. Oh! Oui, exact, exact, exact. Dégagez, dégagez. Oh, le pot. Ah, ok. J'aurais pas dû aller là-bas. Bon, ils vont tous tomber. Non, ils vont pas tomber. C'est quoi le problème là? Ah, il a tout cassé. Oh là là, le gros problème. Bon, allez, on va aller dormir, histoire que tous les mobs disparaissent, parce que sinon je suis dans la merde. Merde, l'enculé. Je n'aurais jamais dû aller là-bas. Donc les mobs sont toujours là, ils sont en train de brûler, on va les laisser brûler. Je vais prendre de la terre pour pouvoir tout reboucher. Une épée, parce qu'on va devoir se charger de ça. Je vais refaire de redémarrer le computer et on se dit à tout de suite. Ah mais non, il continue, d'accord. Ok, toi, vas-y, tombe. Merci. Oh merde. Non, non, dégage, toi. Va pas tout faire péter. Bon, c'est problématique tout ça. Voilà. Lui, il est mort. Ok. Au moins, on s'est chargé de ça. On va devoir se supprimer tous les creepers. J'espère que je vais pas tomber. Bon, on va mettre ça là pour l'instant. Je modifierai plus tard. Écoutez. Voilà. Et allez. On va tuer tout ça pour pas qu'ils gênent mon computer. Parce qu'ils sont casse-couilles. Merci. J'ai pas d'armure, donc il va falloir que je fasse gaffe. Allons. C'est pas grave. Vite avant que le computer arrive. Tac, tac, tac. Putain de creeper de merde. C'est problématique tout ça, hein. C'est pas censé. Hop, on va éviter de les faire péter. Oh l'enculé! Putain de merde! Ils ont une portée, c'est fou, hein. Alors moi qui ai l'habitude de faire des UHC run, c'est fou. Je me fais jamais niquer comme ça d'habitude. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de creeper. Oh, j'ai pas pris assez de terre du coup. Putain, bordel. Bon, on ramasse tout ça. C'est pas grave, ça fera le bordel. Du coup, il y a un Underman qui s'est barré. Pas grave, il va finir par dépop. Un de ces quatre. Qu'est-ce que c'est que ça? Chut. Ok. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Va falloir faire très attention à la nuit, hein. Dès qu'il commence à faire nuit, on a, en plus on a l'heure, alors je casse les couilles. Hein. Voilà, je m'emmerde, c'est dit. Hop, 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 hop.
Voilà, finalement, je ça servait à rien le computer si je dois tout faire à la main. Et on va commencer ici, mais pas avant, je vais planter un peu d'herbe parce qu'il n'y a pas d'herbe et c'est. Ben, ça sert un peu à rien s'il n'y a pas d'herbe en fait. Je vais ranger tout mon bordel, hop, ici. Voilà, hop, on va garder l'épée parce que ça va m'être utile. Voilà, c'est ici que j'en ai. Grass seed! Nickel. Le grass seed qu'on a avec de la terre dans l'eau active. Si vous vous souvenez bien, on avait fait ça au tout début de l'épisode. Lui, il continue, c'est bon? Oui, il continue. Alors, on va en mettre un ici, un ici. J'en ai relativement beaucoup, donc on peut se permettre. Voilà. Il n'y a plus de creeper, c'est une bonne nouvelle. Et on va laisser ça s'étendre un petit peu. 17, je vais en laisser pour que ça s'étende par là-bas. Voilà, ça commence à s'étendre. Hop, je vais retirer ça. Et donc, on avait dit, voilà, Lexica. Voilà, il me faut des dandelions, on avait dit, hein. Est-ce que j'en ai encore? Oula, j'ai faim. J'ai faim, je vais aller manger. Heureusement, je peux courir grâce à ça, même si j'ai faim. Et voilà, c'est nourri automatiquement, merci les poulets. Hop, hop, où tu vas? Où tu vas? Alors, on avait dit donc qu'il me faut des dandelions. Est-ce que j'ai ça? Je sais pas. Hein. Je sais même pas si. Pas de la bonne mille par hasard, non? Ah, j'en ai plus. Bon, on va chercher de la bonne mille et on va se faire prendre un peu de dandelion et de poppy. Voilà, j'ai de la bonne mille en masse, ça va. Oh, il va m'en falloir en masse d'ailleurs. C'est problématique ça. Bon, on va tout casser, on va se retrouver avec plein de plantes encore, mais bon. Hop, 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 on prend tout. Hop, là. Si je casse à côté, ça va pas marcher. Hop, hop, hop. D'accord, donc ça c'est bon. Après, je sais pas s'il y a moyen d'en avoir plus facilement. Des floral powder. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok. Bon, on a relativement. Bon, là, on en a peut-être assez, donc je vais. Oula, ça c'est problématique par contre. Si je fais ça. Allez, encore. T'es sérieux là? What? Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs, ok. Voilà, bon allez, on va dire qu'on en a assez pour l'instant. Je vais casser tout ça parce que c'est pas beau. Enfin si, ça fait naturel, mais bon. Voilà. Quelle heure? 14h pour l'instant, ça va encore. Alors, une table de craft. Une table de craft. Comment ça, j'ai pas de table de craft? Ah si, j'en ai une là. Alors, on avait dit. Je me rappelle plus. C'est là. Hein. Voilà, donc deux dandelions et deux roses. Ok, bon, nickel. Ça veut dire que j'en ai assez. Hop, hop. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Parfait! Bon, bah voilà, maintenant qu'on sait, on va en faire plusieurs. Allez, trois, ça, c'est déjà bien. Hop, hop, hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche! H27 Sky of Beginning! Nickel, allez, on va en prendre plusieurs. Ok. Donc je sais pas hein, c'est quoi pour l'instant, mais on verra plus tard. Voilà, nickel, il y en a un ici.
Et un dernier. Un relatif. En fait, je peux peut-être en avoir à l'infini comme ça. Il va falloir vérifier. Là, ça marche comment? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Bon, je sais pas. Est-ce qu'on a les achievements ici? Minecraft. Ah, Botania. Ah, on a des achievements de Botania! Foot plus! D'accord, je ne savais pas. Ok, autant pour moi. Eh ben, on va pouvoir s'attaquer à ça aussi, un peu. Donc, du Botania, on a quoi? Ok, alors. Pick up a mystical flower. Open a lexical book. Day prick arrival. Make a day bloom in a petal apotaco. Ah, ben voilà, ça va. On va pouvoir avancer assez facilement avec ça. Mais avant ça, je... C'est pas ça, c'est ça que je voulais voir. Voilà, c'est avec n'importe quel floral. Hein. Donc, et avec un... Ah, on en a deux. D'accord, donc avec juste deux plantes, on peut se refaire... Bon, bah, on va faire ça. On va farmer un petit peu parce que sinon, je vais trop manquer de floral fertilizer. Et je vais devoir rechercher des roses, c'est chiant à faire. Donc, au moins, grâce à ça, hop, voilà. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vais le faire hors caméra. Je vais farmer un petit peu et je vous dis à tout de suite. Ok, je me suis trompé, il faut des powders. Hein. Par contre, il est 17h, on va aller, on va se préparer à aller se coucher. Hop, ok. Le soleil est en train de se coucher. Hop, je vais ranger tout mon bordel. Foot plus, on s'en fout. Belladonna, Gracide. Pour l'instant, tout ça, je m'en fous. Tomato, coffee, ok. Ça, je garde. Ça, j'en ai plus besoin. Ok, nickel. Allez, on va aller se coucher avant qu'il fasse nuit et que les mobs pop. Allez, il est 18h, là. Nous, on dort à l'heure des poules. Voilà, pas de mob qui est apparu, c'est nickel. Alors, on avait dit qu'il va me falloir les pestes mortar. Donc, un stick, un wak et un bol. Le bol, je ne me rappelle plus comment on fait, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Hop, hop. Comme ça? Non, comme ça. C'est comme ça. Donc on va faire hop, hop, et hop, non, ça c'est, ça va là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, d'accord, hop, alors, c'est ça, hein. D'accord, hop et hop, voilà, nous avons notre Pest of Mortar, nickel. Of Mokhtar, hein, pas... non. Of Mortar, pas Mokhtar. Donc, apparemment, ça, il suffit juste de faire comme ça. Nickel. Ça, comme ça. Hop. Et donc, vous avez compris le principe. Tac, tac, tac. En plus, ça l'utilise même pas. C'est nickel. On n'a pas besoin de le refaire. Ça, on fait hop, 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 hop. De la bonne mille et ça fait floral fertilizer, donc je farme ça et je vous dis à tout de suite. Re tout le monde et regardez un peu la quantité de fleurs que j'ai. Voilà, bon, c'était relativement simple en fait, hein. J'ai juste eu besoin de récolter des fleurs, de les transformer et de les replanter pour les retransformer, pour les replanter, pour les retransformer, pour les replanter, pour les retransformer. Bon, enfin bref. Je vais pas vous faire un dessin non plus, vous avez compris comment ça marche. Et donc on va continuer un peu le lexicabook. Du coup, qu'est-ce qu'il me disait? Il voulait que je passe au pétalapotacadacadari. Apothécari. Alors, in order for a botanist to create plantify, d'accord, pour un botaniste, je n'ai pas compris.
than code 2, it's binding. Plant life. C'est un devoir de créer des plantes de vie pour un botaniste. Je sais pas si c'est ça, mais c'est pas grave. Dodge that, ok. Donc il va falloir construire le pétale apocari. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Alors ce bloc, quand il est placé dans le monde et mis et qu'on lui donne de l'eau avec un water bucket, ok. Accepte toutes les pétales mystiques et leur énergie. D'accord. En posant les bonnes pétales, on arrive à avoir des seeds, donc des graines. Ok. Tossing in the full bucket will. Et on peut aussi remettre le récipient dans un seau. Quiet a few blanks. D'accord. Pour plus d'informations, allez sur le site. On peut aussi placer de la lave pour en faire une poubelle. D'accord. Hop, hop, hop. Donc ça marche comme ça. Alors il me faut une pétale, deux slabs de cobble et quatre cobbles. Ok, on va se prendre une petite pétale, voilà, n'importe laquelle. Bah tiens, j'en ai 7 de celle-là. Je vais prendre celle-là. Hop, Mystical Green, et on va aller chercher de la cobble un peu. Hop, 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 on court, on saute, on va plus vite. C'est ici. Salut. J'en prends beaucoup hein, parce que de toute façon le saut se. Ah, j'ai cru qu'il avait bugué le truc. Non, ça marche toujours bien. Ça marche toujours aussi bien. D'ailleurs, je vous ai pas montré les plantations. Je vais faire un petit tour avant la fin de l'épisode, si j'y pense. Donc, ok. Ah, il va me falloir une table de craft parce que ça va pas le faire sinon. Hop, hop, hop. Voilà, nickel. Qu'on va poser bah, ici, hein, tant qu'à faire. Hop là, voilà. Alors, on avait dit, c'est des slabs. Ici, et pas là, non. Là. Là, c'est comme ça, je crois. Et là, comme ça. Non, c'est pas comme ça. Comme ça, alors. Voilà, le pétard, la pocari. Qu'on va poser, bah, on va poser ici, hein, pour l'instant. Voilà, il est très bien ici. Il est beau, il est doux. Il va falloir que je fasse un petit coin d'eau. Ouais. Je vais le faire relativement proche. Donc, on va le faire ici. Voilà, au moins, il y a deux couches. C'est bien. Voilà. Petite source infinie. Ok. Donc, on... Maintenant qu'on a la potique, ok, on va s'attaquer aux pur daisy. Alors les pur daisy, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la plus... it's not only the most basic. C'est la plus fondamentale. Non? Oui, c'est non seulement la plus fondamentale, mais aussi la plus importante. C'est la même chose. Ok. Qu'un botaniste a besoin d'avoir. Cette fleur purifie le bois et la stone autour pour transformer en living wood et en living rock. D'accord, donc en positionnant comme ça. Living wood can be turned into twig. Donc il va falloir faire de la living wood. Pouvoir faire ça. Donc on va commencer ça. Alors pure daisy, comment on fait pure daisy? Ah bah c'est comme ça. Pure daisy, 4 mystical white pétales dans l'apothèque. L'apothéca. Oh putain, merde. Donc c'est 4, donc 2 ça suffit. Voilà, nickel. En blanc. Ah, je sais pas si c'est en blanc en fait. N'importe laquelle ça peut marcher, non? Ah non, apparemment c'est que blanc.
Bon, ok. On va le remplir d'eau. Voilà. Et on va jeter. D'accord. Nickel. On jette les 4. Et comment ça marche? Est-ce que ça marche? Ça fait des bruits. Ça bouge à l'intérieur. Il y a des poissons! Qui est là? Est-ce toi, la dame du lac? J'ai déjà une épée. Ok. Mais encore, est-ce que ça dit quelque chose là-dessus? Pur. Non, ça ne dit pas comment ça marche. Alors, apparemment, j'ai mal lu. Il faut jeter des graines. Comment ça, j'ai pas de... Ah si, j'ai des graines. Alors, fais voir, on va voir ça. On va jeter des graines, hein, on va voir si ça marche. Parce que ça bouge à l'intérieur, mais... Oh ! Ah oui, je l'ai ! Je l'ai, j'ai la pure des îles, pipi, pourra. Et il pleut des bacon encore, ça me casse les couilles. En tout cas, j'ai la pure des îles, ça c'est cool. On va la planter, on va tester, on va se laisser là. Enfin, je vais pas la planter ici. Voilà. Je vais la planter... ici. Ouah, sur l'herbe, sur la terre sans herbe, voilà. Parce que j'ai aucun respect. Allez, on va chercher du bois. Et de la stone. La stone, je dois en avoir. Donc du bois, je dois en avoir ici, normalement. Est-ce que ça marche? On va essayer, tiens. Je vais essayer. Bah, je vais prendre tout. Je vais tout prendre, voilà. Hop là. Par contre, ça coûte relativement cher. Hein, parce que le bois, c'est pas donné non plus. Ok. Et la stone, elle est là. Hop, 64. C'est largement suffisant. On y retourne. Donc apparemment il faut poser ça comme ça. Alors je sais pas si on doit le faire comme sur le livre. Je vais voir, je vais essayer. Je vais le mettre là par exemple. Là et voilà. Et on va mettre le bois. Comme ça. Je fais des tests. Parce que j'y connais rien. Hein. Franchement, jamais fait Botania. En fait je faisais pas beaucoup de mods avant ce mode là. On va le poser de ce côté pour voir si ça marche. Ce côté-là, et comme ça, voilà. Au cas où, ça va quand même, ce côté, ça marche pas. Donc, apparemment, il faut attendre, si j'ai bien compris. Ben, on va attendre. Il pleut, bergère, saute les temps, mouton. Entends-tu la bergère? Da 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 da. Alors, je sais pas combien de temps il faut attendre, par contre. Ça serait bien que ça aille vite. Eh oh! Eh oh! Est-ce que ça va marcher? Ah, j'ai pas de pioche ni rien, putain. Bon, on verra au pire. Ah, oh, ça marche! Living Rock! Living Rock! Wouh! Living Rock encore! Living Rock! Et le bois, ça a pas l'air de marcher. Ah si! Living Wood! Ah, celui-là, ça a pas l'air de marcher par contre. D'accord! Donc il faut que ce soit de l'Oak. Ah, ah si, ah bah non, j'ai des conneries, ok, je suis pas patient, bah ok, d'accord. Ça marche très bien, Living Wood, nickel. Ok. Ah beau gosse, tu vas pas te transformer en Living Wood un peu? Ok, donc le rubber, ça par contre, ça n'a pas l'air de marcher. Hein? J'ai pas de conneries, hein? Tu vas pas me faire mentir encore une fois. Bon ben ça a pas l'air de marcher, c'est pas grave, au moins on sait que les autres ça marche. On va faire un petit tour du côté de chez nous, du côté des plantations.
Comme vous pouvez le voir, j'ai agrandi et regardez comme c'est beau. Oh. Nature crop, serrure quartz, lead, bronze. Voilà, on va couler des bronzes à volonté, aluminium. Et regardez comme c'est marrant, la petite vache, co-crop, mouton, pig et... Okay. Et pingouin, j'allais dire. Non, et poulet! Bon, ben voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur cette série. Aïe, 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 aïe! Enculé! J'espère vous voir nombreux pour la suite, n'est-ce pas, Caroline? Bisous à tous, bye bye!